Switchback. Et donc, salut à tous et à toutes, c'est TheStarGame06 pour un nouveau tuto sur comment craquer Portal 2, un jeu très acheté, très populaire. Donc, si vous connaissez pas, il y a des vidéos sur YouTube, voilà, où je vous conseille d'essayer. On va tout de suite commencer. Il va vous falloir soit uTorrent ou BitTorrent. Donc ça, je vais pas vous mettre de lien, parce que j'ai fait une vidéo. Bon, désolé pour la qualité de ma vidéo, mais bon, sur comment télécharger un seul BitTorrent, hein. Donc vous pourrez aller la voir. Après, il vous faudra WinRAR, donc ça sera dans la description. Vous faites télécharger, vous installez, et Daemon Tool Little, pareil, télécharger, installer. Après, vous allez vous rendre sur ce site, voilà, Extreme Gaming. Et donc vous allez descendre et vous allez cliquer sur Download Torrent. Ça va vous donner un fichier torrent. Voilà. Vous l'ouvrez. Donc si vous avez BitTorrent, ça va vous ouvrir BitTorrent. Ou si vous avez uTorrent. Et après, ça va vous le télécharger. Et le jeu fait 6 Go 590 MO. Donc ça, moi, ça m'a pris 3-4 heures. Après, ça dépend de votre connexion. Donc... une fois qu'il est téléchargé, on fait clic droit, ouvrir le dossier de réception. Voilà. Donc ça vous donne deux fichiers, un Skydro et un SRPort 2. Donc on double clic sur SRPort 2 qui va s'ouvrir avec Daemon Tool Lite. Voilà, donc là on fait oui. Voilà, donc là on fait français, ok. Suivant. Donc moi je vais pas l'installer ici, je vais l'installer autre part. Je vais l'installer ici. Voilà. Suivant. Créer une icône sur le bureau. Je vous conseille. Donc là en fait oui, c'est la racine de là où vous l'installez. Donc je vous conseille de vous le rappeler. Hein. Moi je sais où c'est. Parce que après on en aura besoin. Bon après si vous en rappelez pas au pire, on peut faire autrement, mais bon. Voilà, donc suivant, créer une icône, moi je laisse, suivant, installer. Donc là il s'installe, donc je vais mettre tout sur pause, mais en attendant on peut faire déjà un autre truc. On va faire clic droit sur le SRPort de l'image Diamond Tool Little. On va faire ouvrir avec une rare archiver. Donc voilà, on attend qu'il s'ouvre, voilà. On va glisser le Skydro soit sur le bureau, soit dans ce dossier. Moi, je vais glisser sur le portal de Skydro. Voilà, c'est déjà fait. Donc, on va faire CTRLC. Enfin, non, c'est bon, on va le faire après. Donc, je vais mettre sur pause en attendant que le téléchargement, enfin, que l'installation se finisse. Et donc, me revoilà. L'installation est terminée. Donc, on clique sur terminer. Donc l'installation est presque prête. Donc maintenant on va ouvrir le Skydro, on va tout prendre, on va faire CTRLC. Voilà, on peut baisser. Donc soit vous retrouvez le dossier d'installation du jeu. Donc moi c'est ici, voilà. Et vous faites CTRLV, oui. Copier, remplacer, oui. Voilà, ou soit vous faites clic droit, propriété, emplacement du fichier. Voilà, ça vient, voilà, ça vous ouvre une fenêtre. Là, vous avez Portal. Alors, voyez vers bureau, crin raccourci. Donc, ça, on supprime, oui. Hop, supprimer, oui. Et donc, on renomme. Pire, vous ne faites pas de raccourci, vous faites copier-coller. Donc on va lancer pour voir. Donc oui, là vous avez Portal. Hein. Voilà. En français. Hein. Donc je sais pas s'il y a tout en français, donc je vais voir. Oula. Je crois pas que vous voyez vous. Mais voilà, donc c'est la fin de ce tuto. Donc je vais essayer d'arrêter parce que là je suis en mode plein écran, je crois que vous avez un écran noir. Voilà, donc là je vais tourner les accès.
Ah bah non, vous avez peut-être ça. Donc voilà, donc ça va être la fin de ce tuto. Ouais, c'est le jeu en français et tout. Donc voilà, donc je vais faire un test si vous pouvez voir. Alors, vidéo. Alors, fenêtre, aucune borne. Mode fenêtre et voilà, appliqué. Voilà, normalement là vous voyez. Donc on va faire retour. On va aller sur le jeu solo et on va bien voir. Donc ça j'enlève. Donc là ça change, pardon. Donc je découvre le jeu comme vous. Hein. Enfin comme vous. Soit peut-être que vous avez joué au Portal 1, moi je n'ai jamais joué à Portal. J'ai entendu parler, donc je vais voir. Je ne connais aucune commande. Donc voilà. Je vais apprendre. Hein. Et donc voilà, on a un écran tout blanc. Ah ouais, les voix sont en anglais. On peut faire un truc pour que les voix soient en français. Donc je vais faire un peu durer la vidéo. Hein, c'est pas grave. Donc je vais mettre sur pause et je vais voir pour le patch en français. Donc voilà, je mettrai ce site dans la description, c'est traductionjeu.com. Vous allez dans... Donc vous serez tout de suite sur la page, hein, mais après si vous avez d'autres jeux que vous voulez traduire, vous allez dans Patch.fr et vous verrez bien. Donc vous rendez là-dessus, on va télécharger via je sais pas trop quoi, je vais prendre le premier, deposit file, voilà. Donc en espérant que le fichier soit pas trop gros pour pas que ça prenne trop longtemps. Je crois que je peux y accéder que via le premier. Alors, téléchargement réglé. 377, 16 mégaoctets. Soit je vais mettre sur pause ou arrêter la vidéo et la reprendre. Ça fait 7 minutes déjà. Bon, moi, je m'en fous un peu de la longueur de la vidéo, mais c'est pour vous parce que je pense pas que vous ayez envie de regarder une vidéo de 1 heure là. Enfin, une demi-heure pour juste craquer un jeu. Donc là on sort continue. Voilà, et le téléchargement va se lancer normalement. Ah, le truc que je déteste le plus, que je comprends rien. Oula, je vois rien. Ah, ouais. Alors process. Alors Siri pété. Ça doit être un truc comme ça. Oh, c'est juste du premier coup. Alors, le téléchargement va commencer. Voilà. Donc, ouais, dans 1 heure, ça devrait être bon. Ah, j'ai une bonne connexion. Encore 40 minutes pour. Oh non, ça va. Normalement, 1 demi-heure, ça devrait suffire. Enfin, voilà. Oula. Donc, bah c'est le patch, donc je vais mettre sur pause hein, pour le téléchargement. Voilà. Donc, ouais. Bon, bah tout de suite, hein, sinon je vais peut-être arrêter, je sais pas. Voilà. Pour l'instant, je mets sur pause et on va. Et donc, voilà pour. La suite du crack de Portal 2, donc en français, hein. Il y a 1 ou 2 heures qui se sont écoulées depuis avant pour le téléchargement de ce patch. Donc voilà, j'ai fini de télécharger. Donc vous ouvrez, ça vous donne une archive minera. Vous ouvrez, ça vous donne ceci. Donc j'ai rien regardé comme tuto. On va essayer de faire un improviste. Hein. Alors on va aller dans la racine du jeu. Donc je vais mettre sur pause et je reviens. Voilà, me revoilà. Donc je suis juste allé glosser de racines du jeu et mis le patch. Enfin, mis le patch, non. J'ai créé un dossier patch.fr. Hein. Donc je sais pas, moi j'en crée un comme ça. Je lisse tout. Et voilà. Donc là, je sais pas combien. Alors, il faut assez de temps pour l'extraire. Ça va un peu plus vite. Donc on est déjà à 10 minutes de tuto. Ça va.
Ça passe vite le temps. Enfin, ça passe vite. C'est très rapide, donc faut vraiment qu'on se dépêche. Donc, alors, allez. Ah oui, 376 Mbos, c'est vrai. Allez, ne réponds pas. Oh là là. Voilà. Donc, à lire. Je pense qu'il faut ouvrir ça et mettre le dossier. J'avais déjà fait ça pour Call of Duty. Donc, lancer portail 1, détection automatique, suivant, installation 2 minutes. Ok. Ouais, j'avais déjà fait ça pour craquer Modern Warfare 3 en solo multi en français. Donc, pas beaucoup de français ont le jeu Modern Warfare 3 en français. Donc, c'est pour ça. Hein. Moi, je l'ai. Alors là, suivant. Donc là, ouais, on fait suivant. C'est bien le vérifier bien que c'est le dossier, que c'est le truc de là-haut. Sans patch FR, hein, si vous ne créez pas de dossier. Vérifiez bien que c'est ça. Voilà, donc vous cliquez dessus et vous faites copier et vous mettez là au pire. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites suivant. Et donc là. Alors. Suspense. Ne répond pas, youpi. Trop content. Oh là là. Allez. Donc passage portal, ça c'est pas vraiment, c'est ça a rien à voir avec Modern Warfare. Hein. Enfin, je pense. Je sais pas s'il faut que je le ferme et que je recommence. Voilà, je me suis dit, je vais le laisser, bah, j'ai bien fait. Ouais, voilà, donc on fait quitter. Et je pense que là, le jeu est en français, donc on va l'ouvrir. Alors. Voilà, le jeu s'ouvre. Donc on quitte. Pour quitter le petit truc d'abord, faut faire espace. Enfin, moi, je fais espace. Donc. Voilà, on va essayer de se dépêcher. Hein. Ouais. Vas-y, jouez. J'ai pas ça avant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus trop. Oui, je crois que j'ai dit on va se dépêcher pour pas faire durer trop longtemps le tuto. Normalement, là, j'ai des mots en français. Si le patch FR est bien appliqué. Puis sinon, moi, ça me dérange pas avec les voix en anglais. Bonjour. Oui. Votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. J'adore cette voix. Veuillez alors regarder le plafond. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Bien. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ah, faut marcher avec W, donc faut que je règle les commandes. Alors, pour régler les commandes, je pense que c'est dans tout le, comme ça dans tous les jeux. Donc si vous savez pas, vous faites échappe. Option. Clavier souris, modifier touche. Voilà. Donc je vais faire rapide. Donc on double clique et on clique sur la commande. Non, ouais. On double clique et on clique sur la commande qu'on veut. Donc ça c'est bon, sauter, s'accroupir. Ouais, ça c'est bon. Utiliser objet. Je sais pas, moi on va faire. Waouh. Non. Donc alors F E je vais faire ça assez rapidement. Alors Q, alors reculer, esquive gauche. Voilà. Donc menu geste A,
cartouche pour commande vocale, ça me va. Message général, c'est bon. Ça, c'est bon. Quitter la partie, je mets rien. Voilà, appliquer. Terminé. Retour. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. C'est assez bizarre, oui. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Voilà. Donc, c'est pas le portail que je connais, mais on verra bien. Votre cryostase a duré 9. Ce message... Comment ça va? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'ici. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, approchez-vous. Donc là, je fais quoi? Ok, d'accord. Je sais absolument pas ce qu'il faut faire. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. Je vois, non. Ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Petite pomme. Bon, vous savez quoi? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais... Je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté? Vous tenez le coup? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Bien sûr qu'il est le dernier informé. Moi, j'aimerais, à quoi bon me dire quoi que ce soit? Hein, je vous demande, à quoi bon tenir au courant des tensions vitales, des types de sujets de test que je suis censé superviser? Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose? Je vais pouvoir passer? Il y a la place? Ah, donc faut peut-être que je me... Bon, faut juste que je passe ça là. Bon, faut juste que je me concentre. C'est bon, il y a un petit peu. Qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretien du milieu? Je vais bientôt couper, hein. Ah, zut, je suis rentré en plein temps. C'est assez bizarre comme début. Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Je crois qu'on est en train si de voler là. Pour vous, vos dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout mort. Je sais pas si vous m'entendez bien. On y est presque. Comme il y a le. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous. Tu vois des vidéos de temps en temps dans le portail. Bonne nouvelle, c'est pas une station d'accueil, un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. Mon bel appartement. Oula. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord? Oula. Je vais être honnête. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté.
Bon, je vais couper la vidéo, donc voilà, je ferai quelques épisodes sur Portal, hein, pour vous montrer. Mais bon, là, le tuto fait déjà 20 minutes, oula, donc ouais, faut pas que je m'attarde. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, et bah voilà.